Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture de juin dans lequel on va revenir sur mes lectures de mars, avril, mai. Petite énergie ce mois-ci, j'espère que vous comprendrez, là on est vendredi, donc vendredi 2 jours avant la sortie du premier coin lecture de juin et dimanche dernier au Geek Ferries je me suis cassé la voix. Dimanche dernier j'étais à faune, j'avais plus de voix, c'est-à-dire qu'il y avait une fréquence sur laquelle je pouvais sortir des sons, c'était quelque part par là. Tout le reste c'était, fallait deviner ce que je disais avec le bruit des consonnes. Depuis ça commence à revenir, c'est toujours un peu cassé, on va rester sur ce niveau d'énergie là, c'est-à-dire que je vais pas... l'énergie, vous me connaissez bien sûr. Voilà, on va rester sur un niveau calme. Et également, deuxième petite nouveauté, j'ose dire, ce mois-ci, c'est que vous ne trouverez pas mes notes de lecture dans la description de la vidéo parce que, je vais pas dire la moitié, mais une partie des livres que j'ai lus ce mois-ci, et ça continuera pas mal à s'appliquer à l'avenir, ce sont des livres que je n'ai pas lus, ce sont des livres que j'ai écoutés puisque... certains d'entre eux, c'est Camille qui les a lus alors que je donnais le biberon à la petite. Et il y a un livre là-dedans que j'ai écouté sur Audible pendant que j'allais au Geek Ferries et qu'on revenait des Geek Ferries. Alors en soi, vous me direz, qu'est-ce que ça change? Bah ça change que je ne peux pas vraiment prendre de notes pendant l'écoute de ces livres. À la limite, je peux mettre en pause la lecture pour enregistrer une note qu'ensuite je vais devoir mettre par écrit. C'est chronophage à mort. C'est pas un bon plan. Donc je vais laisser tomber le système de notes. Et ce qu'on va faire à partir du mois prochain, parce que j'ai eu l'idée que dans le courant du mois dernier, donc c'était pas applicable, mais à partir du mois prochain, les coins lectures vont être écrits. C'est-à-dire que j'aurai un texte et je vous lirai un texte comme ça. Ça résoudra beaucoup de problèmes des coins lecture actuels, c'est-à-dire aucun risque d'oublier de parler de quoi que ce soit puisque je tiendrai mes notes à jour au fur et à mesure des lectures. Ça sera beaucoup plus rythmé, il n'y aura pas d'hésitation, il n'y aura pas de moment où je cherche mes mots. Ça sera plus drôle puisque j'aurai le temps d'écrire des blagues. Je suis beaucoup moins drôle quand je suis spontané. Et voilà, et globalement, je pense que ce sera une meilleure expérience pour tout le monde, notamment pour Camille, ce sera un gain de temps au montage, il n'y aura pas à couper toutes les hésitations insupportables que voilà, que j'ai tout le temps. Cela étant dit, parlons des livres du mois dernier, et commençons avec un petit retour aux sources. Vous allez voir que retour aux sources, c'est pas mal le thème du mois entier. Donc, premier livre, La patience du diable de Maxime Chattam, le tome 2 de la trilogie, section de recherche. J'avais lu le tome 1 avant de commencer les coins lecture, La conjuration primitive, ça s'appelle. Je l'ai beaucoup aimé. Très bon souvenir. Un des très bons souvenirs que j'ai de Maxime Chattam. Qui sont pas si nombreux que ça en fait. Plus je découvre Maxime Chattam, plus je me rends compte que j'ai bien aimé deux ou trois livres, vraiment bien aimé deux ou trois livres qu'il a écrits, et La conjuration primitive en fait partie. Donc celui-ci, c'est la suite, que je vous lis, la quatrième de couverture, c'est parti. Des gens ordinaires découverts morts, 3 petits points de terreur. Ah ! Un go-fast qui transporte bien pire que de la drogue. Et dans ce qui semble être l'antichambre de l'enfer, un homme retrouvé sauvagement égorgé. On est sur un niveau Maxime Chattam, on est à 3 sur 10, quoi, sur l'échelle du Chattam, voilà. Lieutenant à la section de recherche de Paris, Ludivine Vanker comprend bientôt qu'un fil sanglant relie ses faits divers. Le mal qui ronge le monde, elle le connaît, elle le côtoie depuis trop longtemps. Alors elle plonge, prête à nager dans l'horreur, pour en retrouver la source. Là-bas, le diable l'attend, patiemment. Hubert Lisée pour Le Parisien nous dit que c'est efficace et glaçant, et Le Point nous dit un thriller qui va encore faire un malheur, qui sont pas des critiques ça pourrait presque être une critique négative. Genre Maxime Chattam, il est extrêmement connu, donc ce thriller il est à chier, mais il va encore faire un malheur, enfin voilà, ça pourrait être une critique... En l'occurrence je pense que c'est une critique négative, et surtout je pense que c'est un chouette livre. Il est moins bien que La conjuration primitive, mais il reste effectivement efficace. Maxime Chattam, il va cultiver un degré de thriller, de suspense et d'horreur pendant tout le livre. Et contrairement à La conjuration primitive, où là, il y avait un espèce de tourbillon final, c'est-à-dire que c'est de pire en pire, et ça s'accélère à la fin, là... On est plus sur... J'ai presque envie de dire l'inverse, dans le sens où c'est de pire en pire, et à la fin, ça s'essouffle un peu. Parce que Ludivine Vanker, cette fois-ci, est persuadée que non, mais la personne que la section de recherche recherche, et se fait passer pour le diable, et donc il y a toute l'iconographie du diable,
ce qui est franchement cool. Il retrouve des empreintes de bouc sur les scènes de crime, enfin c'est assez chouette. Et à la fin, la résolution de qui est derrière tout le truc, franchement, m'a laissé sur ma faim. C'est-à-dire que le personnage est chouette, hein, y a pas de... voilà. Mais c'est pas... voilà, contrairement à la Conjuration Primitive, où on termine sur un retournement de situation vertigineux, genre vraiment... oh merde! Ce genre de réaction. Là, on est plus sur du... ah. Ok. Oui, ça tout s'emboîte. Ok, voilà. On n'est pas sur un retournement de situation. On n'est pas non plus sur une conclusion que t'aurais pu voir venir mais que t'as pas vu venir. Là, on est plus sur une conclusion... voilà. On allait vers quelque part. Pourquoi pas là? Ça va, ça fonctionne. Mais l'efficacité du roman, indéniablement, c'est l'horreur, quoi. C'est le fait de baigner dans le pire de l'humanité, j'ai envie de dire ça comme ça, et d'y rester, et de devoir nager un peu à travers cette fange humaine, là. Ce climat d'insécurité constante, avec toujours l'espèce d'iconographie, l'espèce de thématique de l'or du diable, et du coup de Dieu, de la part de divin et de diabolique en l'humain. C'est chouette. C'est chouette, c'est un Maxime Chatham que j'ai vraiment bien aimé lire. Par rapport à ceux que j'ai lus depuis que j'ai commencé le coin lecture, c'est un des meilleurs, peut-être le meilleur. Donc ouais, chaude recommandation celui-ci. La patience du diable de Maxime Chatham, lisez La Conjuration Primitive avant, parce que ça se passe avant. Vous allez rater quelques petites allusions si vous commencez par celui-là, ce qui serait dommage, d'autant que La Conjuration Primitive est vraiment très chouette. Livre suivant, le livre de l'un d'entre vous, ou plus précisément le livre de deux de peut-être d'entre vous, en tout cas l'un d'entre vous en compagnie d'un de ses camarades, peut-être pas d'entre vous, je ne sais pas. Ils ont écrit le livre à deux, il y en a qu'un seul qui me l'a envoyé. Sandro Galeazzi et Guillaume Grasse, Magister Terre Dixie. Et c'est parti. Il y avait un bandeau prix de quoi, je sais plus. C'est pas écrit dessus, mais il a gagné un truc. Il a gagné un truc qui va être affiché là, qui va forcément être affiché sur la couverture que vous allez avoir au montage. Mais ça, c'est dans le futur. Un thriller magistral entre anticipation, aventure, société secrète et recherche médicale. Nico, biologiste belge, est entraîné. Ah, belge, non. Est entraîné. Ah, mais remarque, ça a été écrit par des belges, donc c'est logique. Est entraîné par. Il y a que les belges pour écrire sur les belges. Regardez Tintin. Allez, ferme ta gueule. Nico, biologiste belge est entraîné par une société pharmaceutique dans un combat pour sa survie face à un complot sans limite. Chou, médecin dans une Chine reculée, découvre des cas d'infections étranges et se retrouve traqué par d'impitoyables triades. Philippe, journaliste raté devenu blogueur acharné, se lance dans ses recherches effrénées sur la mainmise financière de 13 sociétés. Lio, personnage maléfique, agit pour l'organisation secrète Magister. Quatre histoires pardon, qui se télescopent sans répit sur fond de manipulation économique et politique. Femme actuelle écrit entre société secrète et recherche scientifique, un thriller sous haute tension. Édité chez Nouveaux Auteurs, et franchement, c'est pas mal du tout. C'est même franchement chouette. Tout est sur la quatrième de couverture. Ils mettent ça en scène comme si. Ils présentent ça comme si on avait quatre personnages principaux, mais vraiment, on a trois personnages principaux qui sont donc. Nico et tout l'univers qui tourne autour de Nico, c'est-à-dire qu'il y a aussi sa femme, il y a sa fille, il y a plein de personnages. Chou, donc tout ce qui se passe en Suisse, en Chine, et là encore, on a plein de personnages. Et Philippe, qui là pour le coup, lui, est beaucoup plus solitaire, qui est un journaliste qui va investiguer sur des histoires de scandales pharmaceutiques. Et c'est donc surtout l'histoire de Nico, j'ai envie de dire, et Lio est un peu le gros antagoniste de l'histoire. Donc ouais, voilà, Nico est engagé par une société pharmaceutique pour faire des recherches qui révolutionneraient la médecine, et il se fait manipuler parce que c'est assez transparent, je pense pas spoiler en disant ça, voilà, il se fait manipuler par cette société qui sont de gros vilains, mais à quel point sont-ils gros, à quel point sont-ils vilains, on le découvre au fur et à mesure, j'allais dire du livre, des livres, parce que le défaut de ce livre, qui au demeurant est vraiment vraiment chouette, c'est-à-dire que la partie thriller est très efficace, on est pris dans l'action, il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Le vrai gros problème, c'est qu'il y a deux parties, et je pense qu'à la base c'était deux livres, et si ça ne l'était pas, ça aurait dû l'être, parce que tous les arcs qui sont générés dans la première partie trouvent leur fin dans la première partie, et j'ai eu énormément de mal à rentrer dans la deuxième partie, parce que pour moi, le livre était fini. La deuxième partie, c'est à la fois un préquel et une suite, ou plutôt un spin-off. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant dans la famille de telle personne, d'un des personnages ? J'allais dire qu'il est intéressant, mais en fait, même pas, parce que c'est un peu gratuit, quoi. C'est un peu genre... et voilà, avant, il s'est passé ça. Tu sais, ça fait un peu livret bonus sur tel personnage. Et qu'est-ce qui se passe aussi
après, je sais plus combien d'années après, parce qu'en plus, la première partie est contemporaine, la deuxième partie se passe genre 15 ou 20 ans dans le futur, et là on est vraiment en mode futuriste. Et ouais, j'ai vraiment galéré à rentrer dedans, parce que pour moi, j'avais fini le livre, j'étais plus dans les enjeux, parce que pour moi, la première partie se suffisait à elle-même. Ça a pas vraiment gâché le plaisir de lecture, c'est juste, voilà, plutôt que d'être resté sur un bouquin vraiment complet, et ben à la fin, t'as un sentiment de, ouais, j'aurais pu finir ma lecture il y a 5 heures, ça aurait rien changé. Parce que en plus, c'est un gros morceau. Et le fait de suivre plusieurs personnages et vraiment plusieurs univers, parce que je vous dis, il y a les personnages et puis il y a plusieurs personnages autour d'eux, le fait d'avoir trois univers distincts, au début et quand t'es dedans, ça fonctionne très bien parce que justement ça permet de rythmer les trucs, mais au bout d'un moment tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent entre les chapitres. Et alors, une fois de temps en temps, c'est bien parce que ça permet de dynamiser le propos, c'est-à-dire que tu arrêtes un chapitre avec, j'en sais rien moi, admettons avec Nico, et la prochaine fois que tu le revois, il est en train de faire une course-poursuite, tu te dis « Wow, putain de merde, qu'est-ce que j'ai raté ?» Que là, j'avais l'impression que c'était vraiment très régulier. Et du coup, plutôt que de donner une impression de suspense, pour moi, on était plus sur une impression d'éclatement. Mon attention à moi était aussi éclatée, c'est-à-dire j'avais du mal à rester focalisé sur une histoire. Mais dans l'ensemble, c'est chouette, j'aime bien la conclusion. J'aime bien où va le roman, que je peux pas spoiler évidemment. Dans l'ensemble, c'est maîtrisé, quoi. Dans l'ensemble, c'est maîtrisé. Juste, il y a quelques choix en termes de narration dont je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Maintenant, écoutez, la lecture a été très agréable et je vous la conseille. D'autant que voilà, ce livre m'a été envoyé par Sandro Galeazzi lui-même et très bonne surprise. Et enfin, dernier livre pour cette semaine. C'est un livre que je n'ai pas lu moi-même, que c'est Camille qui me l'a lu pendant qu'on nourrissait la petite, où est-il ? Il est là. Baby Faces de Marie, j'imagine que ça se prononce Desplechin. Baby Faces, qui est un terme de catch, et c'est un peu pour ça que le livre m'a tapé dans l'œil alors que je me baladais au rayon des occasions à Leclerc. Quatrième de couverture. À l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, méchante, moche et mal habillée. En plus, elle crache par terre. Mais on ne lui dit jamais rien parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas pousser à bout une personne qui n'a rien à perdre. Aussi, le jour où Jonathan Sweekerbuck, grand amateur de catch, est retrouvé inconscient derrière la porte de la cantine, c'est Nejma qu'on accuse. Elle a beau se défendre, personne ne la croit. Elle fait une coupable idéale. Mais Nejma n'est pas aussi seule qu'elle veut bien le croire. Autour de son voisin et ami, Rajani Kant alias Raja alias Freddy, de faire quelque chose pour Nejma, elle qu'il a toujours protégé, qui, elle apostrophe, a toujours protégé. Sans oublier Isidore, le vigile du supermarché dans lequel Nejma se réfugie après les cours. Isidore estime Nejma, il la voit différemment, il a même prononcé ses mots magiques, « Tu n'es pas grosse, tu es puissante ». Pour aller plus loin avec ce livre, www.ecoledesmax.com. Je vais en parler vraiment très peu parce que j'ai pas grand chose à dire. Il est très mignon, c'est un chouette petit livre, clairement qui est plus destiné à un public jeune, voire très jeune. Il a un humour efficace, c'est-à-dire que ça donne l'impression, enfin c'est écrit comme si ça avait été écrit par un enfant, et pour des enfants, parce qu'on a le point de vue de Raja. Et ouais, c'est une chouette petite histoire sur l'acceptation de la différence, sur le fait de s'aimer même quand c'est pas facile. C'est une belle petite histoire d'amitié, et le catch, c'est vraiment juste un prétexte pour parler de cette... ça parle pas du tout de catch, finalement. C'est vraiment juste un prétexte pour parler du fait que, parfois, quand t'as l'impression d'être seul et quand t'as l'impression que le monde est injuste envers toi, tu as des gens sur qui compter, et ça, c'est vraiment chouette. Et je pense vraiment avoir fait le tour de ce que j'ai à dire sur ce livre. Il était choupi. Si vous avez envie d'une lecture très facile, et je m'adresse particulièrement aux plus jeunes d'entre vous, si vous avez envie d'une lecture rapide, chouette, innocente, franchement, on l'a lu en deux soirées. Du coup, c'est pas... Camille l'a lu en deux biberons. En une heure, c'est plié, quoi. C'est un livre très court, mais très mignon. Moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, à l'intérieur, il parle un tout petit peu de catch, quand même. Notamment, Raja dit qu'il était très fier, parce qu'à l'époque, le champion de la WWE... le champion poids lourd, était The Great Khali, qui est un catcheur indien. The Great Khali, qui est un des pires catcheurs que j'ai jamais vu. Sans doute le pire champion du monde qui ait jamais existé. Ah, il y a Kevin Nash. Non, Kevin Nash était quand même mieux. Avec Great Khali, le truc, c'est qu'il n'arrivait pas à marcher. Alors, catcher, c'était compliqué, quoi. J'allais dire qu'il avait trois prises, mais en fait, non, il en avait deux. Il en avait trois, pardon. Il avait « Je te soulève et je te jette ». Il avait « Je te tape ».
Et ça, il n'arrivait pas à le faire parce qu'à chaque fois, ça se voyait très bien qu'il tapait genre à 40 cm de la tête de l'adversaire. Alors, c'est du cash, c'est pour de faux, t'es pas censé taper vraiment dessus, mais t'es pas censé non plus taper à 40 cm. Et il avait évidemment la prise très impressionnante où il mettait ses mains comme ça de part et d'autre de la tête de l'adversaire et il faisait Aaah! Et t'as l'adversaire qui faisait Aaah! Voilà, c'était pas très intéressant, The Great Khali. Voilà, il parle de lui dans le livre, une fois. Je vous dis, ça parle pas de catch en fait. Voilà, ça c'était les livres de cette semaine. La semaine prochaine, on parle d'autres livres, mais d'abord, je vous laisse sur la question de la semaine concernant Magister Dixit, qui est donc un livre qui nous parle du fait qu'une société de 13 personnes dirige le monde dans l'ombre et influence toute la politique et tout. Enfin voilà, tout, ils ont des mains partout. Moi, ma question, et je vous demande de vous respecter les uns les autres, s'il vous plaît, dans les commentaires. C'est important. C'est-à-dire que si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien. Et je vais résumer ça en niveau théorie du complot, vous en êtes où, vous ? Je ne vais pas influencer votre question avec mes propres croyances, avec mon propre point de vue. Je vais juste vous dire à quel point vous êtes complotiste, à quel point c'est un complot. Où vous en êtes, vous, dans qui nous domine vraiment, en quoi vous croyez, en quoi vous croyez pas, est-ce que vous êtes sceptique, si vous êtes sceptique, quand vous êtes sceptique envers quoi. Enfin voilà, où vous en êtes, vous. Je pense que ça peut être une section commentaire assez, assez intéressante. Et respectez-vous les uns les autres, c'est pas parce qu'il y a des gens qui croient des choses auxquelles vous ne croyez pas qu'il ne faut pas vous respecter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce Quoi Lecture, où on parlera de La Planète des Chats, le troisième volet de la trilogie des chats de Bernard Werber, et La Femme Comestible, le premier roman de Margaret Atwood. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, et à la prochaine. Ciao.